It's really nice to like dive into the big sound pool, you know, and be like washed over, like going into the ocean for the first time in a year. You know, that feeling's like, oh man, why don't I do this every day? Simply because it's a thrill. So if you use the metaphor of the ocean again, you're like surfing on the big waves, you know, when you have the big infra, you know, or standing in front of that material, like it's passing through you. It's like a, it's part of it. It's, I think the experience goes back a long time, like way before technology, you know, this kind of. Stéphane Hommellet, avant tout, c'est un artiste assez hors norme, qui a une pratique de la musique que moi je qualifierais de quasiment plastique. Et il envisage le son vraiment comme un médium quasiment d'atelier, donc performatif, mais aussi sculptural. Donc il y a une dimension physique dans la production de son son. C'est principalement un workshop qui est destiné aux étudiants des Beaux-Arts de Paris. Il y a donc tout un travail qui va être réalisé donc avec Stéphane Hommellet et les étudiants sur la base de recherche sonore, c'est-à-dire de voir comment ces étudiants qui sont en études d'art visuel, hein, il y a des vidéastes, des peintres, des sculpteurs, des photographes, de voir comment eux, dans leur pratique personnelle du son, parce qu'ils ont tous, bon, les étudiants ont été sélectionnés aussi un petit peu en fonction de leur affinité aux pratiques sonores, donc ils en ont tous, et c'était de réunir un petit peu toutes ces personnalités, tous ces univers très différents autour de la pratique de Stéphane Hommellet pour produire une performance. Il y a une grande tradition des art school rock and roll bands. Je pense aux Talking Heads, je pense à Sonic Youth, Divo. La plupart des groupes vraiment bien, vraiment pertinents et qui ont amené quelque chose dans l'histoire du rock ou de la pop, eh ben, ils viennent tous d'écoles d'art en fait. Évidemment, l'école s'ouvre sans réserve aux nouvelles expérimentations sur des territoires que parfois nos étudiants connaissent mieux que leurs professeurs. Et c'est très important pour nous de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que l'école préserve des enseignements réputés académiques et s'ouvre à des choses très expérimentales et très différentes. J'enseigne l'histoire de l'art depuis 20 ans à l'école, j'ai 63 ans. Vous imaginez que ma culture musicale contemporaine n'est pas forcément toujours très au point. Donc j'ai tout simplement prononcé le nom de Stéphane Hommellet devant quelques-uns de mes étudiants et devant mes propres enfants qui ont l'âge de mes étudiants. Et la réponse a été la vache. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. The music itself is something that brought all of these people out, so that's pretty amazing. And if you're a fan of Sun, you probably don't get to listen to the records on a PA, so you can, I'm gonna crank it up and hopefully you can dive into it. Quand j'ai découvert le travail de Hommellet, au début, j'étais un peu surpris. Et puis finalement, bah c'est tout ce qu'on demande, d'être surpris à nouveau. Je sais pas sous quelle forme ça va réexister au sein des étudiants des Beaux-Arts. Comment est-ce qu'ils vont intégrer ce qu'ils auront appris, est-ce qu'ils auront la proposition artistique que leur a faite Hommellet pendant ces 2 jours. Mais forcément, c'est très bien de la part des Beaux-Arts, de Red Bull, d'avoir permis de le faire. Et puis on le voit aussi, les étudiants ont répondu présent. Mais certains sont venus de province pour ça aussi. La performance est complète, la discussion aussi. Je
So if there is one or two new experiences that change their mind slightly, then I think that's a big accomplishment. And I think that happens with our live concerts as well. You know, if the audience member has some sort of stimulus in their imagination, if it moves the neurons, if they can walk out of it and think about something perhaps they didn't consider before, or maybe a different angle on something they were considering, then that's a success, really, I guess. I mean, that's why I'm invited here. Like, throw a different element in the fishbowl, basically, I think is the thing here.